T'as réalisé le meilleur temps de la Super Pole, la 63 va partir en première position, t'es ravi ? Bah oui, je suis ravi parce que depuis le début de semaine, on travaille très très dur. On a eu du bon, beaucoup moins bon et petit à petit, au fur et à mesure des essais, on redresse bien la barre. Donc satisfait et puis bon, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec nos chronos en pneus course, en pneus qualif, donc c'est ça qui est le plus important. Je pense qu'on est trois pilotes très homogènes et le team a énormément travaillé, donc c'est assez confiant. Et c'est une grande satisfaction, surtout que la Super Bowl, c'est toujours un exercice difficile. Bon, un tour lancé pour faire le meilleur chrono, c'est quand même une bonne maîtrise, je dirais, du stress de la part du pilote. Et bon, le bol d'or, en plus, c'est un événement important, donc on est extrêmement satisfait par cette Super Pole et de voir les deux motos s'élancer aux deux premières places. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pneu qui est utilisé pour la Super Pole ? Oui, donc pour la Super Pole, on utilise un pneu de qualification. Ce sont des pneus donc, où on cherche à maximiser le grip sur un seul tour. Ce sont des pneus donc, qui sont soft, une gomme soft pour avoir beaucoup d'adhérence et également une carcasse qui se déforme, un pneu qui se déforme pour avoir le plus grand contact au sol. Et c'est ce qui permet de passer la puissance. Et il faut bien sûr pas avoir trop de mobilité sur le pneu. Donc le pneu de qualif, c'est quelque chose qui tient 2-3 tours maximum. Et on a même des pneus qualif qui généralement font un tour chrono, comme c'est le cas ici, où vraiment on cherche à optimiser le potentiel. Ça va, papy ? Michelin, a better way forward.